Route des 100 Mario, on retente. C'est le début. On n'hésitera pas à zapper des niveaux si on a, si on a des infaisables. Alors, pap, pap. Ok, donc là déjà... D'accord, donc maintenant on va faire quoi? Est-ce qu'on peut tomber à votre avis? Ah, il n'y a que ça. Ah, il n'y a que ça. Ah, intéressant. Bon alors. Alors ça c'est une énigme, ça veut dire qu'il faut faire sortir un Koopa. Voilà. Ensuite il faut taper là-dessus. Enfin j'imagine. Voilà. Mais ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un a une idée? Moi j'aime bien les niveaux énigmes, je trouve ça cool. Parce qu'on est d'accord que de toute façon faire ça... Ah si c'est possible. Oh putain. Grâce à l'astuce du fameux R, mais je pense que... Même sans l'astuce du R, c'était possible. En tourbillon d'en dessus, spin jump, attaque tournoyante, saut en tournant. Sûrement, sûrement. Bon bah écoutez... Tout va bien. Le niveau était super. Ou alors comme ça. Il y en a qui a mis ou alors comme ça. Pardonne-moi, je voulais pas. Un clavier de souris, vas-y. On va y passer sur Mario Maker. Putain, Skyrun, 50 boules. La folie de Skyrun. Frame d'invincibilité. Salut, ciao. Et hop, on reprend la fleur. Ok, frame d'invincibilité encore. Frame d'invincibilité encore. Oh putain. Oh non. On y était presque. Dommage. Dommage. Oh non, il y avait un. Non mais j'avais même pas vu le bloc tout à l'heure. Moi je suis nul. Attends, calme-toi, calme-toi. La fleur, vite. Non, faut pas se faire toucher. Waouh. Ouais. Comment faut passer? Comment? Ah, faut passer au-dessus! Faut passer au-dessus! Ah! Oh non! Faut passer au-dessus parce que Bowser, on ne peut pas, vous savez, le. Passer par-dessus. Enfin, passer en frame d'invincibilité, il vous pousse. Donc faut essayer de passer par-dessus en fait. Ça, ça sent le niveau où je me dis, je peux y arriver et tout, c'est cool. Et en fait, je craque toutes mes vies dessus. Attends, vas-y, tombe, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est normal. En fait j'aurais aimé essayer de monter pour brain le truc mais je n'y arriverai pas visiblement. Je voulais essayer de monter sur le truc là-haut pour ensuite essayer de monter sur le mythe de la tête chercheuse et me faire mon petit parcours mais run for it. Bon lui il dit de courir mais bon. Tu vous trouves un stage trop difficile? Ouais t'inquiète, je suis au courant. Je suis au courant. Voilà, la frame d'invincibilité, hop, la fleur. Ah. Donc là hop, hop. Oh putain il monte. Voilà. Donc maintenant il faut que les trucs retirent là-bas. Mais est-ce qu'ils vont retirer? Ah je sais pas. Je pense qu'ils vont pas retirer en fait. Et non ils ne retireront pas. Ah si ça a tiré là non. Ah non. Un. Un. Et non ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bon tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Tant pis. Tu peux pas tuer les frères avec la fleur. Les frères marteau avec la fleur. Si on peut, on peut, on peut. Complètement, on peut complètement. Titi. Go. Oui bon ça va. Donc là il faudrait faire ça. Ça. Et là Oh. Non. Non. Oh putain j'ai failli. J'ai failli. Oh merde il a retiré. Trop chiant. Ah voilà. Ah voilà voilà voilà. Ah. Oh merde non je voulais pas toucher ça. Retire. Oh putain Bowser qui tire trop. Oh. Oh. Vite. Oh non. C'est foutu. Adieu. Adieu c'est foutu. Ah putain, il m'aurait fallu encore le fait d'être gros une fois et ça aurait été bien.
Tu as juste à faire comme tu as fait la première fois, il y a des ennemis derrière Bowser. Et non, il y a la hache. Ce que tu as pas compris avec Bowser, c'est qu'il faut passer au-dessus, en dessous quand il saute. Non mais si, j'ai compris, juste j'y arrive pas, c'est tout. Et vu que j'y arrive pas, j'étais en mode, bon, essayons autrement. Bon bah je vais essayer comme vous m'avez dit. Cours ! Les frames d'invincibilité sont tes amis. Et voilà, et là je fais quoi après? C'est ça le problème. Je mets au bout pour les 100€ avec Skyrun. Je mets au bout pour les 100€ avec Skyrun. Bande de malades. Putain. Vous êtes des ouf tous les deux. Merci à vous. En fait, c'est ça que je comprends pas, c'est on fait quoi une fois qu'on est là-bas? Hein? Le général de Gaulle a dit de panique, toute la France avait été résistance. Hyper ça. Faut que l'avance oublie. Il l'a dit. Il l'a dit. Wall jump, tu peux passer avec l'invincibilité. Ah, y'a encore des mecs qui écrivent sur le chat qu'on peut passer avec une frame d'invincibilité sur Bowser. Ah, c'est terrible ça. Ça, c'est vraiment terrible. Tu sautes sur les missiles et tu passes en haut. Bah, c'est ce que je fais. A mon avis, Zerator, t'as raison, t'es obligé de passer au-dessus. Y'a des missiles rouges pour t'aider à sauter à la fin. Tu sautes sur un missile rose, tu passes par-dessus. Pour ça, je pourrais le passer sans. En me concentrant et en faisant attention, je pourrais le passer sans mourir. Mais comme y'a une fleur ici, je me fais pas trop chier. On peut pas. On ne peut pas, faut qu'il retire. Oh non! Abusé! Oh non! J'ai ressauté, mais ça n'a pas fonctionné, hélas. Eh ben adieu, c'est fini! Alors là, mec. Oh! Bah alors! Champignon! Faut aller sur la hache! Hop! Et voilà! Et voilà, voilà! Ta-ta-da-ta-da-ta-da! Oh, fallait avoir un champignon pour pouvoir casser la brique ici, vous avez vu? Fallait pouvoir casser la brique, sinon, si on ne la cassait pas, c'était impossible! Bon, bref. Et il y a Thomas Fucano sur le chat. Je suis Zerkator et je vous souhaite la bienvenue. Bon, on a réussi, c'est bien. On est content. On est content. On n'a pas craqué trop de vie sur ce niveau-là. Ça fait plaisir. On continue. On continue. 92 vies, bon. 92 vies, ça va. Je suis top trop moche. Moi je déteste Todd, c'est pas du tout un personnage charismatique pour moi. Ah ok. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Achou. Ah, alors le racial de Todd c'est qui. Le passif de Todd c'est qu'il reste petit, c'est ça? C'est bien de la merde comme. Ah! Comme passif. Bon, je découvre avec vous. Faker, Alderiath, le vrai Alderiath? M'étonnerait. Et si c'est toi? Oh! Si c'est toi, bien. Ah! Bienvenue! Ah non, d'accord, ça fait un d'accord! J'ai compris! Ça nous remplace Mario! Ah, ça sent le piège à 2 francs 6 sous. Toi. Il est où le trou là? Ah, il est là. Oh! Oh putain, Kamek! Je déteste ce type! Oh putain, non! Ça va, j'ai eu de la chance! Oh! Je suis trop con, j'ai trop niqué la game, j'ai pas niqué. Premier abonnement et don pour les allées! Tu vas accompagner de mon division comme je suis. Demain, je signe mon contrat d'édition pour les remerciements à l'émission. Ah ouais, sérieux? Eh, Nanoyo, envoie-moi un mail! Je veux savoir dans quel roman je suis cité en remerciement. Trop marrant, ça! Merci pour cette donation rigolote. Enfin, rigolote, non. Originale. What the hell is that? Pas de soucis, Nanoyo. Il a dit sérieusement, je t'enverrai un mail. En fait, tout ça ne sert absolument à rien. Je sais pas pourquoi je me fais chier.
Ça aussi, ça ne sert absolument rien. Hop, allez, 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 oh. Hop, tata. Et si on passe par là? Ah mais en fait, il n'y a pas de solution, c'est forcément par là-bas. Oh, ça m'a fait chier. J'en ai eu marre. Comme je sais qu'on... Serrator. Quel pénis. Non, j'allais dire... J'allais dire... Que comme, de toute façon, on va récupérer un taux de... Ah! Il y a quoi par là? Ok. Que comme de toute façon, oui, on va récupérer un toad. Autant on emporte le vent, vous voyez. Bref. Kamek qui rate parce qu'il est moche. Alors, essayons de ne pas faire comme tout à l'heure. Vous êtes très très français en fin de compte. Merci. Larmina. Écoutez Larmina mon petit. Non franchement, là je suis mort avec un truc que j'avais sous-estimé. Donc pas d'énervement. Énervement il n'y aura pas. Enfin, le début est simple, on a compris. À moins d'une erreur fatale, j'aurais dû t'écouter, je ne dissociais plus le bien du mal. Ça devrait bien se passer. Oh. Et là on peut normalement faire ça. Voilà, sans prendre de dégâts, parce que tout à l'heure j'ai raté mais. Bon Kamek, tu emmerdes tout le monde. Voilà, je compte plus sur ma chance qu'autre chose. Oh ah. Alors, voyons voir. Ah ouais, tout à l'heure j'ai vu des trucs faire ça. Ok. Ok. Bon là on connaît pas. Donc là si on meurt avec des trucs c'est normal. Donc y'a pas de soucis. On continue. Captain Toad's Adventure. Here I go. Bon, le début c'est quand même facile. Ok. Oh merde, oh merde, ça le tue. Là faudrait essayer de niquer son nuage. Je ne sais pas où est la fin. Elle est là. Bon, ouh, content. Stage terminé. On n'a même pas gagné de vie. Putain, on régénère pas beaucoup de vie dans tous ces niveaux. Here I go. Il y avait un commentaire d'un mec qui a mis Here I go. Horrible. La voix de Toad dans les jeux, quoi. Baisse cette putain de musique. C'est rien, ça. Oh putain, c'est un... Oh, c'est un niveau en scrolling. Je croyais que c'était une cinématique. Je croyais qu'il présentait le niveau avec une cinématique. J'étais en mode, ok, ok, je regardais le truc et tout. Alors, on va beaucoup mourir, je pense. On va le zapper. Oh, mais ça va être trop chaud. Là, je pense que j'y arriverai pas, franchement. Même sans scrolling, je pense que j'y arriverai pas. Alors avec scrolling, en plus. Oh. Ça, c'est vraiment un niveau où tu claques tes 100 vies. Genre, ça va hyper vite. Oh, ça, c'est méga chaud. C'est méga, méga chaud. Oh, on a eu, on va claquer toutes nos vies ici. Super Meat Boy, j'avoue. Oh, come on! Je réessaye. Il s'appelle pas Super Meat Boy ce niveau? Disco Dome Party, c'est nul. Il aurait dû s'appeler Super Meat Boy. Oh putain! J'ai pas réussi à wall jumper! Mais même si j'arrive à faire ça, après il faut revenir et y aller avec la vitesse du scrolling du niveau. A mon avis, c'est totalement impossible. Bon. Oh. Le truc relou, c'est le temps de chargement entre chaque mort. C'est vrai. OMG, niveau de géométrie dash. Oh non! Come on, come on! Sur ce niveau, tu vas être plus longtemps sur le menu des vies que sur la partie. C'est possible, oui, en effet. Après, ça donne envie de réussir.
Mais pourquoi? What the fuck? Pourquoi ça wall jump pas? Pourquoi? Pas pourquoi. Le nombre de vies qu'il gâche. Oh d'accord, j'ai fait une putain d'attaque rodéo comme un pénis quoi. Bon. À 70 vies j'arrête. Non parce que quand même. Oh putain comment c'est dur. Comment c'est chaud. Oh wow. Bon après ça va, c'est quand même sur un rail. Père. Oh là là, comment c'est chaud. Excellent. Dames Arcadia, s'abonne à la Zerator Télévision, bienvenue à toi. Oh putain, c'est trop dur. C'est trop dur. Sacré Hubert. Toujours le mot pour rire. Putain, je regardais tellement après que je m'attendais pas à mourir ici. Non mais c'est hyper satisfaisant quand on y arrive en fait. Mais bon, je pense pas que j'y arriverai. Faut le connaître par cœur. Hein. Bon. Oui, c'est vrai qu'on meurt en même temps que l'intro de la musique. C'est vrai que c'est très drôle. C'est très bien fait pour ça. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est. Je vous avais demandé que ce soit fait exprès, mais. En effet, c'est bien fait. Oh non! Bon, ça... allez, ça me saoule. Ça m'a saoulé! Passé! On passe le niveau. On passe le niveau, on va tenter les autres. Allez, allez, on avance. On avance. Go. C'est dommage. Honnêtement, si on avait eu plus de temps, je pense que j'aurais tenté de... Merde. J'aurais tenté de tryhard, mais non. Mais moi, j'aime pas trop les niveaux en scrolling de base. Je préfère essayer de prendre son temps pour un obstacle, plutôt qu'on te force à avancer. C'est quoi ça? C'est un champignon, ok. Boulup, 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 boulup. J'attends que ça avance, hein. Ouais. 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 Une fleur, ok. Faut descendre, j'imagine. Ok. Un début plutôt facile. De l'eau. Des boulets de canon. Attends. Normal, tu vois, à tous les coups du stuff, faut encore donner ta position. Ah, si, rotative 3, je fais. Oh, Hello Moto 5, ça va pas ou quoi? Oh non! J'ai raté, j'ai pris le dernier verre de terre. Ah! Oh merde, non, je pensais pas le prendre. Tire! Y'a quoi là? Y'a rien du tout! Vite! C'est bon, allez, on sort là. Oh non, encore de l'eau. Attends, s'il te plaît. Ouh, la boule. Oh, il y a des poissons, on peut pas les éviter. Oh non. Non, c'est bloqué, j'avais pas vu. Ouh, ouh. Ah, ouh, ah. Oh, 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 oh. Et là, on meurt direct. Ah, mais là, je suis petit, du coup. Oh. Les putains de taupes. Ça arrive, regardez. Oh putain! Et attention, il y a un putain d'outil qui vole. J'aime mon royaume pour un champignon. Le royaume champignon d'ailleurs, c'est le monde de Mario. Oh! Ok. Non. Ouh, blablabla. Reviens sur la droite, s'il te plaît. Oh! 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 Là! Oh, c'est la fin! Oh yes! Mario Time! Là, je suis hyper content d'avoir fini ce niveau comme ça. Bon, c'était pas très difficile, honnêtement, mais ça va. Alors, le niveau s'appelait choucroute garni grosse rigolade, mais
Mais sinon, c'est bon. Donc c'était bien. Alors. Il y a deux portes. Moi, je prends celle où on n'était pas devant. Oh, la fils de puterie over 9000, quoi. Les Japonais! Non, sérieux, c'était dégueulasse de faire un truc comme ça. Ça alors? Eh, ça fait deux fois que je tombe sur le niveau d'un Japonais qui met des cases secrètes. C'est quoi le problème? Eh bah cool, bah on peut pas passer en fait. Ah d'accord. Ah ok. Et là on fait comment? Quelle différence entre une moule et un pullover? Je sais. Un pullover ça moule et une moule ça pullover. Bon comment on fait? Je passe, c'est nul. C'est nul, ça me saoule. Je trouve ça nul. Ça franchement ça me saoule, direct. Il avait mis une flèche en même temps. Eh oui mais tu sais jamais. Je sais jamais si le gars a été salaud ou pas, tu vois. Oh! Le meilleur Mario! Ah! Hip hop, la main dans le froc, et hop hip la main dans le slip. Hip hop, la main dans le froc, hop hip la main dans le slip. Hip hop, la main dans le froc, et hop hip la main dans le slip. J'avance doucement parce que. Hop hip la main dans le slip. Hip hop, oui hop, hip la main dans le slip. Hip hop, oui hop, hop la main dans le froc. Hip hop, la main dans le froc, hop hip la main dans le slip. Hop hip hop, hip hop, hip la main dans le slip. Kaoru, père, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est comme ta mère, mais en fait c'est ton père. Ah! Ok. Et père, c'est pour pas dire sa mère en fait, tu dis son père, c'est beaucoup moins vulgaire et beaucoup plus amusant, au secours! Oh putain, ça crache des plumes! Coreals! Recrache dans une s'il te plaît, genre maintenant, ce serait vachement bien maintenant, ou maintenant, ou alors maintenant, non? Ah ouais! Ah ouais, d'accord! Vraiment les meilleurs moments pour lancer une plume! Ah! On continue. Ah, j'ai fait gâchette, du coup ça a fait un blablabla. Mon mauvais, on recommence, excusez-moi. C'est le Japonais. Ah mince, tu connaissais, GG. Merci pour cette blague, bon jeu. Bah oui. Hip hop, la main dans le froc, et hop hip la main dans le slip. Hip hop, la main dans le froc, hop hip la main dans le slip. Hip hop, la main dans le froc, et hop hip la main dans le slip. Hip hop, la main dans le froc, hop hip la main dans le slip. Hip hop, oui hop hip, la main dans le slip. Hip hop, oui hop hop, la main dans le froc. Hip hop, hop hip, la main dans le slip. Hop hip hop hip hop hip, la main dans le slip. Dab 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 dab. J'ai fait de la merde. Je vais me suicider. Ouais. Cool, vraiment cool. Donc en fait, les Japonais, le seul truc qu'ils savent faire, c'est cacher des cases, en fait, c'est ça? En gros. C'est ça? En gros, quand tu vois le mapping d'un niveau, le mapping d'un level designer japonais. Ça veut dire qu'en fait le mec a caché des cases, c'est ça? Non mais c'est bien. Non mais c'est bien. C'est inventif, c'est cool, c'est... Elles sont où les putains de cases? Elles sont là. Hip hop, oui hop hop, la main dans le froc. Hop là. Hop hip hop hip hop hip, la main dans le slip. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi il y a la moitié des fantômes en bas et la moitié en haut? What the fuck? Killer Maru 8516, sabre de laser, attends, télévision, bienvenue à toi, merci! Hip hop, main dans le froc, et hop, hip la main dans le slip. Hip hop, main dans le froc, hop, la main dans le slip. J'attends que les fantômes descendent. La main dans le slip. Hip hop, hip hop, hop, la main dans le froc. Demit, go Demit! Ah ouais, en fait, fallait la choper comme ça. Alors là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire remonter les fantômes. Poignée de porte, fête son troisième anniversaire. Remonter les fantômes! Remonter! Redescendez pas, les fantômes! Cool. Ah, cool!
Oh, père. Père. Oh, je vais me tuer, je vais me tuer. Ah, cool. Frame d'invincibilité, fuck you. Et voilà. Allez, putain. Ah, qu'est-ce que je suis content. Bon. Formidable. Heureusement, j'ai eu des réflexes de génie. C'est ça, continuez. Bon. Bon, mesdames et messieurs, c'était formidable, c'était génial. Bravo à toutes et à tous, 67 Mario. On va s'arrêter là pour ce soir sur Mario Maker. Ok, ça sent le niveau vachement agréable. Donc quittez, votre progression sera conservée. J'espère bien. Votre progression sera conservée. Non. Non, non, non. Bon, écoutez, on a 67 vies, on est au 6ème niveau. Donc pour l'instant, ça va. Il y en a combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. Oh putain, c'est horrible. Bon. Eh ben écoutez. Il faut Putain, c'est quand même chiant de se dire que si tu fais 2 vies par niveau, t'as déjà plus épuisé. Tu vois? Bon, enfin bref. Mesdames et messieurs, eh bien c'est tout pour Mario Maker, pour se défiler sans Mario, pour cette petite VOD pour maintenant. On part sur la soirée Minecraft avec Fukano. Tout ça, ça arrive dans 5 minutes. Ne bougez pas, à tout de suite. On revient. Je suis bien content d'avoir fini ce niveau, franchement. Ouais.